Et c'est la fête des grands noms parisiens aujourd'hui à Saint-Pierre-la-Cour. Figurez-vous que tout à l'heure, il y a Jean-Philippe Charvot qui a gagné au sulky en tant que driver amateur. Et là, nous avons Mathieu Havard et Erwan Gall, l'entraîneur, qui ont gagné avec Milord Duménil, le dernier cross. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, Erwan, ce Milord? Milord, c'est une association de propriétaires très sympathique et très patient aussi, surtout. C'est-à-dire? Qu'ils ont su attendre le cheval qui devait débuter en cross. Mais c'est qui? Il y a la famille Millepied. Charlie Millepied, le vrai. Le vrai, Guillaume Luix, Julien Philippon aussi, et la Kazakh de Stéphane Dumont aussi, qui est un vrai passionné, qui était présent sur l'hippodrome de Chantilly aujourd'hui. Voilà. Bah oui, il y avait le prix de Diane aussi, t'es au courant? Un petit peu. Oh non, je sais pas où c'est ça. D'accord. Merci Erwan. Et donc Mathieu Havard, gentleman, explique-nous ton plaisir de venir courir et gagner ici. Alors, plaisir de monter pour un entraîneur qui est un ami déjà, donc... Ça fait toujours plaisir quand c'est des victoires qui se passent entre copains. Et puis le plaisir de monter en obstacle, le plaisir d'être tous les week-ends dans des nouveaux endroits, de monter avec des gens qu'on apprécie, des copains aussi. Et puis c'est vrai qu'on a un beau circuit qui nous est offert, on est toujours bien reçu par les sociétés de course. C'est un bel exemple encore ici, donc c'est vraiment toujours un plaisir. Parce que tu es en haut des classements en plus. Alors j'ai fait une super année l'année dernière avec la Fégentry et j'ai eu l'occasion effectivement de représenter le drapeau tricolore à l'étranger. Ça s'est très bien passé. Et puis effectivement cette année j'ai gagné le Cross du Lion qui est une des très belles étapes qu'on truste nous en tant qu'amateurs. Donc c'est mon troisième gagnant là. Et ton métier c'est ? Je suis prof de physique chimie au collège et je suis formateur à l'université pour les masters première année, deuxième année. Un intellectuel en Kazakh dis donc. Bah oui, on dit toujours que les jockeys n'ont pas de cerveau. Pour ça, on prend les gentlemen. Alors que les entraîneurs, par contre, c'est autre chose. Les entraîneurs, ils comprennent rien. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est la première fois que tu viens là ? Ouais, la première fois. Ouais. Mais c'est un profil très agréable et un peu très ludique pour les chevaux. Voilà, c'est bien pour redonner du moral à des chevaux qu'on a perdu. Ça fait que tourner et que sauter. Donc c'est un peu ce qu'on venait chercher aujourd'hui. Et voilà, j'ai eu de la chance avec le temps qui reste humide d'avoir une piste très souple. Donc c'est toujours très agréable. Parce que le brave Milord, 5 ans, et il a fallu être patient, tu disais tout à l'heure. Oui, le propriétaire, c'était patient. Il devait débuter en cross l'année dernière, puis il s'était fait une fêlure à un postérieur. On lui a laissé le temps pour le reprendre gentiment. C'est une discipline qu'il affectionne. Voilà, il est assez adroit sur les obstacles de cross. Donc, ça fait toujours plaisir. Bah, bravo les gars, et on salue l'équipe de Chantilly. Le prix de Diane, c'était bien aussi, hein, je pense. C'était sympa. Merci les gars. Merci.